comme beaucoup de petites filles, je rêvais de liberté. Sur mon fidèle compagnon, j'avais des ailes. Avec lui, j'oubliais tout. J'étais libre. C'était un rêve de petite fille. Je rentre dans la cour des grands. J'abandonne mes rêves de grands espaces et je rentre dans la vie d'adulte. Prenant mon bâton de pèlerin, j'étais partie à la recherche de ma propre liberté. Et s'il y avait quelque chose de plus ? Moi, je suis scotchée parce que le film, il est super chouette. Ça m'a mis les larmes aux yeux. Il faudrait que tu partages ce film un peu à tout le monde parce que ça a vraiment résonné dans le cœur de beaucoup de gens. J'étais vraiment très touchée et je te remercie parce que je t'ai trouvé très humble en fait tout au long du film et en fait ça fait du bien. Ouais, je savais pas qu'à cheval il pouvait apporter tout ça à une personne. J'avais une idée déjà de ça parce qu'on m'en avait parlé, mais waouh, c'est waouh. Merci pour les superbes images et puis le partage de ce que moi je qualifierais d'un éveil spirituel pour toi, hein, j'ai l'impression. Bah, je voulais te remercier pour ce film parce qu'il m'a beaucoup émue, parce que je me suis vraiment reconnue dedans. Et... Moi j'adore ton film parce que c'est vraiment le chemin que j'ai fait, que je fais encore. Bah, merci beaucoup pour ton documentaire. Je me reconnais un petit peu dans ton chemin parcouru avec les chevaux. Et ça a fait comme un effet miroir. Hein. C'est-à-dire que bah, c'est la démarche que je suis en train de prendre. Le film, ça a vraiment fait écho à ce que je vis pour l'instant. Merci Leïla. Merci. Merci Leïla. Merci Leïla. Merci ta bienveillance. Merci.